que lorsque le diable s'ennuie, il invite un simple mortel à venir jouer avec lui. L'offre est aussi séduisante que dangereuse. Les règles sont d'une simplicité déconcertante. Quatre gobelets sont alignés sur une table. Le diable confie à son convive un dé, symbole du hasard. Il détourne ensuite le regard. L'invité cache le dé sous le gobelet de son choix, puis les mélange librement. Si le diable ne parvient pas à retrouver le dé, il exaucera tous les vœux de gloire et de fortune de son invité. En revanche, en cas de succès, il dévorera son âme sans pitié. Mais a-t-on vraiment une chance de gagner lorsqu'on joue avec le diable ?